à Sao Paulo. Ce week-end, nous sommes sur le circuit d'Autodromo José Carlos Passé pour le Grand Prix du Brésil. Les virages 1, 2 et 3, appelés le S de Senna, forment une succession de courbes gauche-droite-gauche très serrées et l'une des plus difficiles à maîtriser. Il est extrêmement facile de s'ouvirer dans la descente de la première courbe qui est suivie par un enchaînement droite-gauche rapide suivi de la courvade au sol qui mène ensuite à la droite de Reta Oposta. Ces virages sont parmi les plus intéressants du championnat. Ils ont été ajoutés lors du retour du Grand Prix à Interlagos en 1990 et doivent bien sûr leur nom à l'un des plus grands pilotes de Formule 1, Ayrton Senna. Une erreur de jugement dans cet enchaînement peut vous coûter cher à la sortie du troisième virage à l'entrée de la ligne droite. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour vivre le 20e Grand Prix de cette saison 2016 de Formule 1. Rendez-vous sur les terres d'Interlagos avec le Grand Prix du Brésil qui va se disputer et bien partiellement sous les nuages, voire la pluie qui devrait tomber pour la course de dimanche. Mais nous n'en sommes pas là. Tout d'abord, les essais libres du vendredi qui vont se passer en demi-teinte pour Stoffel Vandoorne. La première séance se déroule sous de nombreux nuages, avec comme objectif la découverte de cette piste très courte ici au Brésil. On tournera en environ d'une minute 12 pour les pilotes les plus véloces lors de la qualification. Stoffel avec une McLaren qui continue de faire progresser en vue de 2017, même si la nouvelle rumeur du paddock serait de voir le pilote belge partir à la fin de cette saison. Et je vous rassure, vous aurez bien évidemment les clés en main pour décider de l'avenir de notre courtoisien préféré. On termine le tour de découverte et vous le voyez que ça se passe plus que bien pour le pilote McLaren. Ça devrait même sans problème rentrer directement avec le meilleur temps en mauve, ce qui signifie que la piste était extrêmement bien connue. Une piste courte, très technique, un classique du championnat que l'on va aujourd'hui visiter. Et on va découvrir déjà les résultats de cette première séance d'essai libre. Ça va aller très très vite pour ce vendredi. Voilà, fin du tour pour Stoffel. Et l'objectif est bien rempli. Le tableau final de cette première séance voit Sébastien Vettel en pneu médium être le plus rapide devant Hamilton. Et Daniil Kvyat, le russe, surprend avec sa Toro Rosso. Certains pilotes ont quand même rentré un chrono en pneu hard, comme par exemple Fernando Alonso. On ne tarde pas et on passe déjà à la deuxième séance du week-end. Le vendredi après-midi accueille le soleil au-dessus de la ville, la mégapole de Sao Paulo. Et on retrouve de nouveau Stoffel Vandoorne à l'attaque pour cette fois-ci la gestion de ses pneumatiques chaussées de pneus médiums. Il y aura trois types de gommes attribués aux pilotes ce week-end. Les pneus hard avec les bandes orange, les pneus médiums à bandes blanches et les pneus tendres, les soft à bandes jaunes. Et on doit donc ici réaliser 7 tours avec comme objectif un temps pivot et une usure des gommes modérée. Vous connaissez la méthode, tout cela pour évidemment récupérer des points de recherche et développement qui aideront cette fois McLaren pour 2017. 2017, on en parle rapidement avec la confirmation de certains postes pour l'année prochaine. Il y avait du flou. Alors on sait que chez Ferrari, Red Bull, Toro Rosso, tout cela est signé. Mais par exemple chez Renault, on peut désormais officialiser la venue de Nico Hülkenberg aux côtés de, non pas Kevin Magnussen, mais bien Julian Palmer qui conserve son volant. Le pilote danois se retrouve donc sans volant pour la saison 2017, à voir où il pourra rebondir. On parle de Haas ou de Manor. Manor qui allait également laisser partir légalement également le jeune français Esteban Ocon qui se retrouve chez Force India puisque Hülkenberg quant à lui part de la structure indienne pour aller chez Renault, le constructeur français qui prépare donc l'avenir. On va vous en parler un peu plus pendant le Grand Prix, rassurez-vous. Allez, avec Stoffel, on vient de conclure le tour de cette deuxième séance qui voit les deux Mercedes devant. C'est important dans cette lutte au championnat du monde. On le rappelle, deux pilotes sont en train de se battre pour le titre avec d'un côté Kimi Raikkonen, 295 points, et Lewis Hamilton, 291. On va voir qui va sortir avec les meilleures armes à l'issue de cette séance. La troisième séance du samedi matin se passe mal pour McLaren avec Stoffel Vandoorne qui va terminer sa course contre les rails. Une nouvelle erreur de la part du pilote belge. C'est assez rare cette saison, mais vous le voyez, c'est à dos de scooter qu'il est rentré dans le paddock d'Interlagos. La séance est de bon augure pour Ferrari avec Raikkonen le deuxième. Hamilton est un petit peu plus loin, mais en pneu hard. Vous voyez qu'il y a pas mal de composantes différentes qui ont été utilisées par les pilotes lors de cette séance d'essai libre 3. Bonjour, je voulais juste vous transmettre les objectifs attendus par l'écurie pour la prochaine séance de qualification. Comme à l'habitude, battre Nico Rosberg, notre rival, est l'objectif, ainsi que nous qualifier à une belle cinquième place. Bienvenue aux qualifications ici à Interlagos, où les voitures se tiennent prêtes pour ce qui sera probablement une séance très importante ici au Brésil. Quand on cherche le chrono, on privilégie généralement les accélérations et pointes de vitesse. S'agit-il seulement de limiter l'appui aérodynamique au maximum et de négocier les virages avec soin pour foncer dans les lignes droites?
La vitesse de pointe sera l'objectif principal de tous les pilotes ici. En supposant que leur monoplace soit capable de tenir la route sur le reste du circuit, ils pourront gagner du temps dans les lignes droites. Il sera difficile pour les véhicules les plus lents de trouver des occasions de dépasser leurs concurrents. Samedi après-midi, c'est parti, premier tour lancé avec Stoffel Vandoorne. L'occasion pour nous de découvrir et de décortiquer un peu cette piste d'Interlagos. Le premier virage, vous le connaissez bien, les S de Senna, un gauche-droite extrêmement rapide. Où l'on doit ici ressortir pour découvrir la première zone de DRS dans la ligne droite opposée qui va nous amener vers un freinage, vers la descente du lac. Ici, le gauche qui se passe en troisième, puisque sur la droite, vous avez le lac d'Interlagos, évidemment, puisque Interlagos veut bien dire en français entre les lacs, comme ça vous savez tout. Le droit de Ferradura ici est extrêmement technique, il faut tomber une vitesse avant de retomber sur une deuxième épingle un peu plus serrée. Attention, devant Stoffel, il y a une Renault. Pour l'instant, c'est Max Verstappen, le néerlandais, qui est le pilote le plus rapide. Pinerino ici, avant de remonter vers la deuxième épingle, la Bico de Pato, des noms assez locaux. Mergulio ici, la descente à gauche, il ne faut pas sortir trop large, surtout s'il pleut demain. Et Yun Sao, le gauche célèbre depuis quelques années, puisque c'est ici que, rappelez-vous, Kimi Räikkönen était parti faire un petit tour d'Interlagos en Grand Prix après un freinage raté. La grande ligne droite qui commande la ligne droite des stands. Et Arki Bankadas, le dernier gauche qui nous mène, voilà, à l'issue de ce premier tour chrono. Et les McLaren se portent bien dans cette séance, et particulièrement les Espagnols, les pilotes du sud de l'Europe qui sont plutôt chauds, comme vous pouvez le constater. Tout le monde est passé avec cette séance qualificative, notamment eh bien, Raikkonen et Hamilton, que l'on aura particulièrement à l'œil dans ce 20e Grand Prix de la saison. La Q2, de nouveau, chaussée en pneus soft, on ne prend pas de risque du côté de chez McLaren, même si on a le rythme, eh bien on garde la même stratégie que nos petits camarades. Extrêmement large ici pour ce deuxième tour chrono et cette deuxième séance. Un peu plus de soleil que tout à l'heure, il y a un peu moins de trafic puisqu'il n'y a plus que 16 voitures désormais en piste. On pourra noter l'élimination notamment de Valtteri Bottas, 17e, eh bien la Williams qui n'est pas passée. De nouveau, une Williams reste en stand-by, ça permet à d'autres voitures de passer, comme par exemple Pascal Wehrlein ou encore Esteban Ocon qui eh bien, sont en train de porter Manor. Pascal Wehrlein qui n'a pas compris non plus pourquoi il n'avait pas obtenu le volant de la Force India, les deux pilotes étant sous contrat, sous l'égérie de Mercedes. On ne comprend pas bien du côté du pilote allemand puisque eh bien, la solution est simple, un point du côté d'Ocon, pas de point du côté de Wehrlein. Toto Wolff a fait son choix du côté de chez Force India, on placera donc Esteban Ocon pour 2017. Chez Sauber, on n'a pas de confirmation non plus. Chez Haas, Romain Grosjean a bien évidemment son volant, mais il pourrait être rejoint par Kevin Magnussen. Je vous en parlais rapidement tout à l'heure. La fin du chrono dans cette deuxième séance d'essai qualificative pour Stoffel Vandoorne. On reste bien sur la gauche pour être au plus court. Et c'est avec un retard d'un dixième qu'il termine sa séance. Verstappen, le plus rapide. Attention, qui est parti en médium, c'est important. Kimi Räikkönen et Nico Rosberg, ça aura son importance, puisque lors de la course, il peut avoir eh bien, une période de temps sec, même si on devrait avoir pendant 90% de la course eh bien, de la pluie fine qui viendrait s'abattre sur le circuit. On n'a pas encore évoqué d'un éventuel départ sous voiture de sécurité, on verra en temps voulu. Pour l'heure, c'est la troisième et dernière séance qualificative, les cinq premières lignes de la grille sont à déterminer, ils sont 10. Qui va sortir avec la pole position à l'issue de ces 12 dernières minutes de séance? Pour l'instant, ça se passe bien pour Stoffel Vandoorne, une piste un peu plus fraîche, le soleil a de nouveau laissé place aux nuages au-dessus d'Interlagos, c'est extrêmement tendu, on voit qu'on cherche à grappiller le moindre millimètre dans cette partie-ci du circuit. Pour l'instant, c'est Vettel en une 12.070 qui s'empare du tour le plus rapide sur ce circuit d'Interlagos, on va voir peut-être une réaction du côté de Mercedes, ce serait intéressant de voir les flèches d'argent revenir aux avant-postes et également déterminer le rôle des deuxièmes pilotes, les porteurs d'eau, on va les appeler ainsi, Nico Rosberg et Sébastien Vettel dans cette lutte au championnat. Ils ont leur influence bien entendu sur l'attribution des points des deux prétendants au titre, même si on sait que Rosberg peut mathématiquement toujours être champion du monde, il faudrait un abandon des deux autres derrière pour espérer quelque chose du côté du pilote allemand. C'est terminé à 6 dixièmes de Sébastien Vettel, mais voici le verdict final. Le seul à être passé sous la barre des 1-12, c'est Nico Rosberg devant Raikkonen, Vettel, Alonso, Van Dorn et Lewis Hamilton n'est que 6e sur cette grille de départ. Bonjour, c'est Emma. Je voulais vous communiquer ce que l'équipe attend de vous pour la course. 5e place, comme tout à l'heure, on continue avec le même objectif. Aussi vrai que le soleil se lève le matin, le Grand Prix du Brésil attire les foules et fait vibrer son public. Victoire décisive,
des illusions, triomphe à domicile, l'Autodromo José Carlos Pacé vous propose tout ça et bien plus encore. Interlagos est un tracé atypique, car la course se fait dans le sens anti-horaire. Et si les Paulistanos se pressent dans les tribunes, situées aux 15 virages de ce circuit incontournable de 4,3 km. Deux portions très rapides encadrent le secteur 2, très technique, et une bonne sortie du Juncao dans l'une des deux zones de DRS offrira une bonne possibilité de dépassement. Avec tout ce beau monde sur la grille, je ne peux pas m'empêcher de me dire que ça risque de se bousculer dans le virage 1 cet après-midi, Nicolas Martin. C'est vrai que ça arrive souvent ici à Interlagos. C'est une zone de freinage délicate, bien sûr, car on arrive en descente sur le Senna S et il est facile de bloquer la roue avant en intérieur de virage et de sortir de piste. On a souvent vu un pilote partir avec le groupe de tête, sortir au premier tour et devoir remonter. C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a eu autant de combats de championnat passionnants ici. On espère bien sûr que le départ se fera sans heurts, mais je ne serais pas surpris que ce ne soit pas le cas. Prenons notre temps pour entrer dans le premier virage. On veut être en bonne position pour le reste de la course. Bonne chance. Le départ est imminent et voici à quoi ressemble la grille de départ de cette course. Nico Rosberg part en pôle au volant de sa Mercedes. Et Kimi Raikkonen complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Vettel, Alonso, une McLaren et Hamilton. Sainz, Perez, Kvyat et Max Verstappen. Grosjean, Hülkenberg, Esteban Gutiérrez et Massa, Palmer, Wehrlein, Valtteri Bottas et Kevin Magnussen. Ricciardo et Nasser, Rio Arianto et pour finir, Marcus Ericsson en queue de peloton. Il est temps à présent de nous rendre sur la piste. Et vous le voyez, c'est sous les gouttes d'eau que l'on débute ce Grand Prix du Brésil. La tradition est respectée, un Grand Prix du Brésil sans pluie, ça n'est pas vraiment un Grand Prix du Brésil. Les pilotes qui vont avoir fort à faire pour mettre en température leurs freins et leurs pneumatiques sur ce tour très très court ici sur le circuit d'Interlagos. On passe en revue la grille de départ de ce 20e Grand Prix de la saison. Kimi Raikkonen part deuxième, c'est le candidat au titre le mieux placé, puisque Lewis Hamilton n'est quant à lui que sixième. Il va falloir faire avec les deux McLaren entre les deux pilotes et ça risque de nous donner quelques bagarres sympathiques tout au long de ce Grand Prix. Les bons élèves, Verstappen dixième, attention, et Stoffel qui va déjà mettre la McLaren dans l'herbe en chauffant les pneus. Attention à ne pas répéter ce genre de manœuvre parce que ça peut ramener pas mal de mauvaises choses sous la voiture comme de l'herbe ou du sable par exemple, même ici. Il n'y a pas beaucoup de bacs à gravier, mais quand même, soyons prudents. On continue la grille de départ avec la belle 11e place de Romain Grosjean, 13e également la position d'Esteban Gutiérrez. Les monoplaces américaines qui, depuis leur Grand Prix national, sont en très très grande forme. Et on a hâte de voir si ici, elles pourraient, pourquoi pas, créer la surprise. On va voir ce qu'elles peuvent faire. Et derrière, la belle performance aussi pour les Manor avec Pascal Wehrlein qui s'élancera 16e devant Valtteri Bottas. Le moteur Mercedes du pilote finlandais devrait, on l'espère, l'aider à remonter aux avant-postes ou tout du moins à cueillir quelques points à l'issue de cette course qui s'annonce particulièrement animée. Et enfin, la grosse désillusion de ce samedi, ça aura été Daniel Ricciardo, le pilote australien avec sa Red Bull qui partira 19e sur la grille de départ entouré des Sauber, des Renault et autres voitures du fond de peloton. La première ligne de cette grille de départ est en train de se placer, vous le voyez. Particularité ici à Interlagos, c'est qu'on doit garder un peu de pied sur le frein puisque le départ est en montée. Ça nous donnera quelques petites différences au moment de s'élancer. Les dernières voitures quittent le gauche de Yunsao. Ça va bientôt pouvoir partir. Raikkonen 295 points, Hamilton 291 points. Va-t-on connaître le nom du champion du monde ce soir? La réponse à l'extinction des feux dans quelques secondes. Les feux s'allument et c'est parti pour le 20e Grand Prix de la saison avec un bon envol de Nico Rosberg. Et derrière Stoffel Vandoorne à l'extérieur qui peut prendre de revers, Sébastien Vettel, Alonso également à l'intérieur. Attention à Vandoorne qui met deux roues dans l'herbe et il y a une Toro Rosso
qui a été emmené à l'extérieur des S de Senna. C'est, je pense, Daniil Kvyat. Derrière, tout le monde s'élance bien. Pas d'accrochage pour le moment. Bon envol donc de Nico Rosberg qui est en tête devant la Ferrari de Sébastien Vettel, Van Dorn, Alonso qui sont 3 et 4. Bel envol également des deux McLaren. Ça se passe bien dans le peloton. Derrière, on est à 3 de front. On a entrevu les deux Force India. C'était très chaud avec, je crois, Jolyon Palmer. Et Hamilton est également bien parti. Il est juste derrière les deux McLaren. Ça continue. On entre dans le deuxième secteur de ce premier tour. À bord avec Stoffel Van Dorn, qui eh bien, ne doit pas interférer dans la lutte. On leur a demandé au briefing ce matin aux pilotes, malgré les conditions de pluie, d'être particulièrement attentifs, notamment aux drapeaux bleus qui ici peuvent être tout simplement fatales. Vous le voyez, on est dans Bico de Pato ici. Et les pilotes qui continuent d'évoluer en file indienne. Pas de gros accrochages, mais attention parce que Van Dorn est déjà en train de faire la jonction avec la plus véloce des Ferrari. On pourrait assister à une attaque sur Kimi Raikkonen. Deuxième de ce Grand Prix derrière Rosberg. Quatrième, Fernando Alonso qui est déjà en train de retenir Vettel et Hamilton. Attention parce que Kimi Raikkonen peut peut-être prendre la tête à l'issue du premier tour. Il est à l'intérieur sur Nico Rosberg dans les S de Senna. Le pilote finlandais côte à côte avec l'allemand. Et Rosberg qui résiste à la limite. Oh que c'est serré. Et vous voyez dans les rétroviseurs Van Dorn qui revient. Il ne pourra pas créer de troisième ligne. Mais Raikkonen s'empare de la tête du Grand Prix. C'est passé pour le pilote finlandais. Et derrière il y a Lewis Hamilton qui double les deux McLaren. Et non, ça ne peut pas passer. Stoffel Van Dorn qui résiste à l'extérieur, c'est très serré. On voit Vettel derrière qui tente également de se positionner. Tout ceci est bénéfique pour les deux voitures de tête qui peuvent prendre quelques dixièmes d'avance, mais ça glisse beaucoup. On est très précautionneux parmi les hommes de tête. On ne voudrait pas casser un aileron en ce début de course qui pourrait être tragique. On est avec Van Dorn de nouveau. Regardez l'eau qui vient s'accumuler sur la caméra. Et la McLaren qui s'en sort bien pour l'instant avec ses pneus intermédiaires. Il est en train d'aller chercher peut-être Nico Rosberg. Et Hamilton qui est passé derrière. Attention sur l'extérieur, c'est très osé. À Mergulho. Et ça ne passe pas dans la descente. Et Van Dorn qui ne peut pas chercher plus d'adhérence que ne lui offrent ses pneumatiques. C'est lui qui sans doute va s'emparer du tour le plus rapide à l'issue de cette deuxième boucle. Un peu à l'extérieur ici peut-être. Et donc Raikkonen, Rosberg, Van Dorn, Hamilton, Vettel, Alonso. À l'issue de ce nouveau tour de course derrière, on suit Nico Hülkenberg et Max Verstappen. Attention, du côté de la descente des S de Senna, ça peut peut-être passer pour Van Dorn. Oh, et la petite dérobade au moment de passer sur le vibreur. Vous avez les leaders qui sont bien serrés. Ils sont tous dans la même image pour le moment. Moins d'une demi-seconde entre chaque voiture. On pensait qu'on allait voir l'une des voitures prendre un peu d'avantage, mais non, ça reste extrêmement compact. On n'a perdu personne pour l'instant, 22 voitures toujours en course dans ce Grand Prix du Brésil. Alors maintenant, eh bien, la tâche la plus ardue, elle est pour Lewis Hamilton qui doit réussir eh bien, à dépasser Stoffel Van Dorn. Je pense que pour Nico Rosberg, ce ne sera pas un problème. Le pilote allemand va sans doute aider son chef de file pour remonter. Mais Rosberg, là, attention, pour le championnat, il doit aussi jouer son va-tout. On a été brièvement en compagnie de Max Verstappen, qui a pris un bon envol. Il était dixième, il a actuellement la huitième place entre les mains, derrière Sergio Perez. Retour avec Van Dorn qui continue de cravacher. Je crois l'un des plus véloces sur cette piste d'Interlagos. Attention parce que derrière, on a décroché du côté d'Hamilton. La vitesse de pointe incroyable, 1.24.163 pour Kimi Raikkonen. Le Finlandais qui s'empare du tour le plus rapide et également de quelques dixièmes d'avance sur Rosberg. Avec Verstappen, cette fois-ci on l'espère pour un peu plus longtemps. Et non, c'était de nouveau très court. Et vous voyez les grosses dérobades à la sortie des S de Senna. Hamilton qui peut peut-être faire la jonction. Rosberg qui ralentit, peut-être volontairement. La McLaren, ce n'est peut-être pas la meilleure stratégie pour éviter que Raikkonen ne s'envole parce que là, les dixièmes commencent à s'accumuler pour le Finlandais et ça commence à sentir bon. Alors au niveau du championnat, les estimations pour l'instant sont assez claires. Le titre revient à Kimi Raikkonen, vous le voyez. Il est devant Lewis Hamilton et Rosberg avec sa deuxième place n'a plus grand chose à espérer.
pour l'instant. L'attaque à l'extérieur de Van Dorn, c'est osé. Et ça passe. Et la McLaren qui se retrouve donc désormais deuxième de ce Grand Prix du Brésil. Attaque extrêmement incisive sur l'extérieur à la relance. Un peu plus de grip et ça suffit à passer pour Van Dorn. Maintenant, il faut tenter peut-être, on va voir, et d'aller chercher Kimi Raikkonen. Alors évidemment, l'attribution des points va changer. On vous tiendra au courant au fur et à mesure de l'épreuve de qui ramène quoi à la maison. Au classement général. On rappelle également que le DRS est désactivé dans des conditions extrêmes comme celle-ci. Ce serait beaucoup trop dangereux de laisser les pilotes rouler avec un appui arrière réduit. Seules les voitures équipées en pneus slick pourront. Les pneus hard seraient totalement inutiles puisqu'il ne pleuvra sans doute que trop pour les chaussées. On verra comment évolue la météo. Pour l'instant, c'est pluie fine au programme. Vous voyez le train mené par Van Dorn avec derrière très très chaud les deux Mercedes. Suivi de Vettel et de Fernando Alonso. Ça reste très très proche pour le moment. Et regardez dans le fond de votre image le leader qui petit à petit s'échappe. Raikkonen prend l'avantage vraiment. Alors il faudrait un abandon de Raikkonen ou d'Hamilton pour que l'autre puisse être titré aujourd'hui. Tout ceci est fort bien compliqué au niveau des calculs. On vous proposera peut-être des petits graphiques à l'image pour vous aider à y voir un peu plus clair sur les prévisions. Et on vous a laissé profiter un peu de la caméra embarquée avec le bloc Mercedes de Nico Rosberg. Van Dorn qui continue, qui malgré tout est un petit peu plus lent. 3 secondes de retard sur Raikkonen. Et après 6 tours, il en reste 30 à boucler dans ce Grand Prix du Brésil. On est loin d'avoir tout vu, c'est moi qui vous le dis avec eh bien, le retour peut-être des voitures qui étaient un peu plus loin sur la grille de départ. Verstappen et Bottas peut-être. Ah ça y est, l'attaque de Lewis Hamilton qui va passer Nico Rosberg. Et je crois que derrière, on va en profiter du côté de Vettel et d'Alonso pour s'infiltrer. Vettel qui va peut-être passer aussi. Ah, il faudrait revenir à l'image de ce qui se passe derrière Van Dorn. Parce que là, on avait Vettel qui était plongé à l'intérieur de Rosberg. Et il est passé. Le pilote allemand de la Ferrari qui s'empare eh bien, désormais de la quatrième place de cette course derrière Hamilton qui revient. Et il ne reste plus qu'à aller chercher Van Dorn pour que Lewis Hamilton se place juste derrière son rival. Attention, une safety car est vite arrivée au Brésil, on en a souvent et dans ces conditions, eh bien le risque est augmenté de au moins 20% de voir sortir la voiture de sécurité. On vous rassure, Bernd Meilander est prêt à agir s'il se passe quelque chose en piste, ce que l'on ne souhaite pas, bien entendu. De nouveau à bord avec Van Dorn et vous voyez les dérobades nombreuses du train arrière de cette McLaren dans les parties notamment les plus rapides. Ouf, là on était quasiment à l'extérieur. Alors au niveau des arrêts au stand, certains ont opté pour 2 voire 3 arrêts. On va voir ce qu'il en sera, mais bon nombre du plateau devrait rester normalement en 2 arrêts. 1:24.016 pour Stoffel Van Dorn qui vient de s'emparer du tour le plus rapide de ce Grand Prix du Brésil. Et c'est Kimi Raikkonen qui doit avoir du souci à se faire puisque il y avait 3 secondes entre le Finlandais et le Belge. Le timing après ce premier secteur. 2 secondes 8, ça reste constant. Raikkonen qui gère son avance. Le voici, le potentiel peut-être champion du monde pour l'instant. Eh bien, c'est lui qui est leader. Bon, alors que derrière ici, on a Bottas qui remonte. Il attaque Felipe Massa. Il y a derrière Pascal Wehrlein avec la manœuvre. On est avec Massa, le régional de l'étape qui souffre dans ce Grand Prix. Et les deux Williams qui sont hors des points, c'est une fin de saison un peu catastrophique là. On était en bagarre pour la 12, 13 et ici 14e place avec Pascal Wehrlein qui eh bien, a toujours du mal de se remettre de la titularisation d'Esteban Ocon arrivé en cours de saison pour l'année prochaine chez Force India. Ça devrait encore bouger pour Pascal Wehrlein qui espère se placer peut-être dans une autre équipe motorisée par Mercedes. On va voir ce que l'avenir réservera au pilote allemand, mais ça sent mauvais pour lui. On espère peut-être une saison supplémentaire au sein de Manor pour continuer à apprendre. De retour sur le haut du tableau avec Fernando Alonso toujours à la chasse de Nico Rosberg qui croule après avoir cédé 2 positions à son coéquipier et à Sébastien Vettel. C'est désormais l'Espagnol qui est une menace pour l'Allemand. L'attaque peut-être au freinage de la descente du lac.
à l'intérieur, Alonso imparable. Est-ce que la Mercedes peut résister? Et la désormais célèbre motricité de la McLaren en sortie de virage fait la différence. Et Alonso est devant. D'une McLaren, on passe à une autre avec la jonction quasiment faite par Van Dorn. Et ici, on a Nico Hülkenberg qui tente de résister à Ricciardo qui remonte. Ricciardo qui vient de prendre la place de Nico Hülkenberg qui était un petit peu à la dérive. Étonnant d'ailleurs que le pilote allemand soit si bas dans le classement à ce stade-ci de la course. Bref, on continue à cravacher en tête de course entre Van Dorn qui est en train d'aligner les tours et les secteurs dans le mauve. Et la piste qui a l'air de sécher légèrement, vous voyez une trajectoire se créer. Véritablement, il pleut un peu moins au-dessus d'Interlagos. Ce qui d'ailleurs n'a pas empêché les nombreux paulistes de venir s'amasser dans les tribunes. Toujours un succès populaire ce Grand Prix du Brésil. Disputé ici depuis 91. Après les passages par Rio et Jacarepaguá. Vettel qui ne peut pas prendre l'avantage sur Rosberg. Il reste derrière l'Allemand. Un peu plus en avant, Van Dorn. Qui a bien pris l'avantage dans ce 9e tour de course. Allez, on est en fin de peloton avec Magnussen qui se bat avec Esteban Ocon et l'une des Sauber. Les deux Sauber d'ailleurs, celle de Nasser. Et juste au premier plan, vous avez Marcus Ericsson qui pourrait peut-être conserver son volant chez Sauber. On ne sait pas qui roulera dans les monoplaces bleues l'année prochaine. Philippe Nasser qui est au point même de perdre peut-être son sponsor. Le sponsor titre de cette équipe suisse qui rapporte plus de 15 millions de dollars à l'équipe. Ce serait un sacré trou dans la banque, si vous me passez l'expression, pour l'équipe de Monisha Kaltenborn qui fait plus que survivre en ce moment. En Formule 1, c'est une des pires saisons depuis l'existence de Sauber. C'était en 1993 que l'équipe avait fait ses débuts en Formule 1. En tête, toujours pas de ravitaillement alors qu'on va bientôt arriver au tiers de ce Grand Prix à l'issue du prochain tour. Ce sera le 10e tour bouclé. 1.23.797. On continue de donner le coup sur la tête de Raikkonen du côté de Van Dorn. Ici, on est un peu plus loin, on est avec le Français, Romain Grosjean, qui se bagarre avec l'une des Toro Rosso. Oui, la Haas Ferrari qui s'en sort bien. Et je crois devant Sergio Perez, l'autre Force India. Et on est bien du côté de Romain Grosjean, on est en lutte pour la 10e place. 9e, voilà ici Daniil Kvyat. Et le Russe qui est dans une position délicate avec devant lui, eh bien, la Force India allait attaquer derrière la Haas qui frappe au guichet pour gagner peut-être le double des points. Je rappelle selon nos estimations pour l'instant, Kimi Raikkonen serait plus que probablement en phase de devenir champion du monde à Abu Dhabi. Il est pour l'instant devant. On rappelle que si l'un des deux vient abandonner, ça pourrait être bénéfique. Si Raikkonen abandonne, Hamilton ne pourra pas être champion du monde. Mais si Hamilton met pied à terre, Raikkonen repartira d'Interlagos avec le titre. Rappelez-vous, le dernier titre de Raikkonen, c'était il y a quasiment 10 ans, en 2007. Ici même, avec la Ferrari. De nouveau, face à Lewis Hamilton. Les années se suivent et se ressemblent pour la Formule 1. Et Van Dorn qui a bien fait la jonction sur Raikkonen. Derrière également, l'autre McLaren passe à l'offensive. Et Alonso qui fait l'intérieur à Hamilton dans les S de Senna. Et ça passe, non, résistance du champion du monde. Et oui, Hamilton qui ne va pas si facilement se laisser dépasser. On se bat ici pour la 4e place derrière Sébastien Vettel. Les deux Ferrari qui sont bien pour l'instant. Le travail de l'équipe italienne va peut-être payer. Et c'est Rosberg qui maintenant va titiller le diffuseur de la McLaren d'Alonso. Et au chausse-pied, il y a contact entre les deux voitures. Et Alonso qui résiste au pilote allemand. Et derrière, qui revient, c'est Verstappen qui affectionne particulièrement ses conditions locales. Le néerlandais qui a l'habitude de la pluie. Attention parce que Van Dorn est peut-être en train d'aller chercher la tête de course. Et vous constatez également l'usure du train arrière de la McLaren. Les pneus qui sont quasiment à moitié de leur épaisseur de gomme. Oh, sur l'extérieur peut-être, sur Raikkonen. Et Van Dorn, lui, n'a rien à perdre. Il ne joue pas le titre mondial. C'est terminé, il sera quatrième au mieux. Ne peut plus aller rechercher Nico Rosberg ou Lewis Hamilton. Attention parce que la différence pour Raikkonen est importante entre une première et une deuxième place. C'est 7 points de moins pour le Finlandais. Alors va-t-il tout faire pour garder la tête de course? Oh, Alonso
derrière qui est en train d'attaquer. Et Van Dorn également dans les S de Senna. Pousse un peu en dehors de la piste. Et voilà, Raikkonen qui doit céder. Et c'est désormais... Oh, attention, la grosse dérobade à la sortie des S de Senna. Et c'est désormais la tête pour la McLaren numéro 91. Devant les deux Ferrari de Raikkonen et de Vettel. Et derrière Alonso qui est allé de nouveau se faire toucher par Rosberg. Vous ne l'avez pas vu à l'image, mais nous on l'avait dans les autres écrans qui gèrent les vues ici dans notre cabine. Et bien avec la tête de course, on va peut-être assister voilà à l'arrêt au stand du désormais leader de ce Grand Prix du Brésil, Van Dorn, qui va et bien à la fin de ce tour plonger pour entrer au box. Et Raikkonen qui est bien largué, hein, regardez ça. Il y a quasiment 2 secondes entre les deux voitures, alors qu'au début du tour, Van Dorn était à l'aspiration de la Ferrari. C'est une consommation un peu plus importante de gomme pour le Finlandais. Et ça rentre pour Van Dorn. Et Raikkonen reprend la tête du Grand Prix. Premier arrêt de ce Grand Prix pour Stoffel Van Dorn. Et Raikkonen qui poursuit. Alors on va certainement remonter un nouveau train de pneus intermédiaires. Je crois que c'est les gommes qui vont être le plus chaussées dans ce Grand Prix. On a vu passer Alonso et Rosberg qui continuent de se battre. Et Lewis Hamilton qui est rentré au box au même tour que Stoffel Van Dorn. Peut-être un undercut tenté par le pilote britannique. Et le champion du monde qui repart également chaussé en pneus intermédiaires. Van Dorn qui va repartir sous le nez de Romain Grosjean, 7ème avec la Haas pour l'instant. Et oui, les monoplaces américaines qui font une fin de saison Tony Truante. On a hâte de les retrouver en 2017, celles-là, parce que eh bien, ce seront des voitures performantes avec, on le sait, Romain Grosjean. Derrière le volant, c'est déjà assuré. Qui vient de rentrer? Une Force India, ici c'est Magnussen. Et la Renault, et juste devant lui, il y avait la Sauber. Voilà, de Marcus Ericsson, ça ressort pour les deux pilotes qui pourraient, eh bien, à la limite, se retrouver dans la voiture de l'autre, hein, pour l'année prochaine. On plaisante, évidemment. Allez, on a ici différentes voitures. Retour avec peut-être l'arrêt du leader, Raikkonen. Pilote le plus rapide depuis l'arrêt de Stoffel Van Dorn. Et on continue. Ah, va-t-on faire rentrer Sébastien Vettel avant? Et non, les deux Ferrari qui poursuivent. Ah là, on décide de tirer sur la stratégie du côté de la Scuderia. Et derrière, Alonso et Rosberg qui décident de ne plus se quitter. Ils rentrent en même temps dans la voie des box, laissant la piste libre à Max Verstappen qui s'empare de la 3e place provisoirement, je le rappelle. Allez, l'arrêt pour Nico Rosberg. On va suivre l'arrêt d'Alonso. Se passe bien et ça ressort pour l'Espagnol. Et donc on retrouve Romain Grosjean, 5e de ce Grand Prix. Ah, drapeau jaune, drapeau jaune, et l'abandon de Max Verstappen. Qu'est-ce qui s'est passé pour le Néerlandais? Oui, casse moteur, on voit la voiture arrêtée sur le bord de piste. Et attention à la direction de course qui décide de sortir la voiture de sécurité. On revoit ce qui s'est passé pour le pauvre Max. Et le moteur Renault, et voilà, qui part en fumée dans la descente du lac, malheureusement. Course terminée pour Max Verstappen. Quel dommage, alors qu'il avait la possibilité de faire quelque chose. Alors c'est très important parce que certains n'ont pas encore ravitaillé et on devrait assister à quelques tours de maître, notamment de Grosjean par exemple, de Vettel. Voilà, Vettel qui plonge dans les boxes. Ah, de nouveau une stratégie un peu particulière pour Ferrari parce qu'on n'a pas vu Raikkonen rentrer. C'est dommage, on aurait peut-être pu d'abord servir dans les box le leader et le candidat au titre. Ça paraît aberrant des fois les stratégies du côté de la Scuderia Ferrari. Et nous sommes donc désormais sous régime de safety car ici à Interlagos pour la première fois du Grand Prix. Voiture de sécurité pour l'abandon de Max Verstappen. Et bien du coup voilà, celui qui a perdu au jeu de la safety car, c'est Van Dorn qui, en devant respecter le Delta, et bien s'est fait passer par les deux Ferrari. Il va donc repartir derrière, voilà, Vettel et Raikkonen. Alors il faut que Raikkonen opte rapidement en ce tour-ci s'il ne veut pas perdre trop de temps pour les box. Valtteri Bottas se présente dans la pit lane. Ça va peut-être permettre cette safety car à certains de changer leur stratégie, même si c'est dans la période où il fallait rentrer pour tout le monde. Certains avaient peut-être tenté de tirer un peu plus longtemps sur leur premier train de gomme. Ça va être à leur avantage. Et la sortie de Valtteri Bottas dans cette très très longue pit lane ici, qui a été un peu redessinée, hein, le S de Senna qui est beaucoup plus serré qu'auparavant. Donc quasiment la mi-course, safety car pour tout le monde. Il faut désormais rejoindre les voitures qui sont devant nous.
Ah, et on s'arrête de nouveau pour Stoffel Vandoorne. Nouvel arrêt pour Stoffel Vandoorne. Alors qu'il était troisième. Et dans le 16e tour, un nouvel arrêt au stand pour le pilote belge. Voilà. Et ça repart. Et il se retrouve désormais au 6e rang. Juste devant Romain Grosjean. Eh bien, ça n'aura vraiment pas été la meilleure stratégie pour le Belge qui va devoir revenir s'il veut gagner ce Grand Prix. Alors, il va avoir des pneus un peu plus frais que ses petits camarades. C'est quasiment un arrêt gratuit qu'il vient de faire. On va faire un point ensemble sur eh bien, le classement de ce Grand Prix. Alors, Raikkonen n'a pas ravitaillé. Le Finlandais est en tête devant Vettel qui lui a ravitaillé. Suivi eh bien, de la Mercedes de, je crois, des Lewis Hamilton. Et ensuite, on a donc Nico Rosberg, Romain Grosjean, Vandoorne et enfin Daniil Kvyat et sa Toro Rosso pour compléter le top 8. 17e boucle. Et désormais voici la seule Red Bull encore en piste, celle de Daniel Ricciardo qui partait 19e avec à ses côtés Valtteri Bottas. On est toujours sous voiture de sécurité et on va relancer à la fin de ce 17e tour de course la meute. Tout le monde est venu se remettre derrière la Mercedes AMG GT. Voilà, fin de l'intervention de la voiture de sécurité. C'est indiqué sur notre écran. Elle vient d'éteindre ses feux. On va pouvoir repartir eh bien, sous régime de drapeau vert dans quelques instants. Et on va voir qui va pouvoir tirer profit de ces nouveaux pneumatiques. Raikkonen qui laisse filer la Mercedes. Et c'est parti, drapeau vert, les deux Ferrari qui mènent plus que jamais ce Grand Prix du Brésil. Derrière l'attaque déjà de Vandoorne à l'extérieur qui va chercher l'une des Mercedes et Romain Grosjean. Oh, et Vandoorne qui va passer Romain Grosjean avec des pneus un peu plus neufs. Et attention, Lewis Hamilton également. Et les deux voitures qui sont avalées. Le contact avec Hamilton qui a perdu beaucoup de temps. Et le pilote britannique qui se retrouve désormais derrière Vandoorne. Attention parce que c'est maintenant Romain Grosjean qui est le plus à même d'aller chercher Hamilton. Attention, ça peut être très dangereux pour le championnat. Derrière, on a Perez qui plonge sur Kvyat et qui passe. Kvyat qui se retrouve désormais juste devant Carlos Sainz. Et bien, une relance qui aura fait des malheureux. Et Vandoorne qui se retrouve cinquième avec des pneus complètement neufs après ce deuxième arrêt. Sous régime de safety car. Il est donc derrière Alonso, derrière Rosberg et devant les deux Ferrari qui sont ralentis. Pourquoi? Eh bien parce que Raikkonen n'a pas stoppé pour des pneumatiques et donc il va avoir beaucoup moins de vitesse que les garçons derrière lui avec des sculptures neuves sur leur gomme intermédiaire. La relance peut-être. Est-ce qu'on n'a pas demandé à McLaren de laisser passer Vandoorne qui va attaquer Alonso sur l'extérieur? Est-ce que ça peut passer? Non, pas encore. La résistance du champion du monde espagnol. Allez, à bord de l'arceau de la voiture de Vandoorne qui va peut-être aller chercher dans la grande courbe. C'est osé. Oh, et Alonso qui soulage. Oh, et qui soulage même très fort. Ah oui, là, on n'a pas pris de risque. Et Vettel qui est évidemment plus rapide que Raikkonen, qui n'a pas ravitaillé. De nouveau, stratégie plus que biscornue du côté de la Scuderia Ferrari. Oh, Alonso qui a perdu beaucoup de temps après le dépassement de Vandoorne. Et là, Vettel qui va passer. C'est pas possible. Vettel qui va devoir prendre l'avantage. Il est beaucoup trop rapide. Voilà l'attaque de Vettel qui s'empare de la tête de ce Grand Prix. Non! Raikkonen qui a un peu de mal à laisser passer, mais c'est fait. Deuxième place pour Raikkonen. On ne comprend vraiment pas ce qui se passe chez Ferrari au niveau de la stratégie. Parce que là, Raikkonen pouvait largement stopper pendant la voiture de sécurité. Il aurait perdu beaucoup moins de temps que s'il le fait dans les tours qui viennent. Ce qui est, je crois, le cas. On est prêt, on sort le matériel devant nous chez Ferrari. Je me penche un petit peu dans la cabine pour voir. Et oui, on est prêt, les pistolets sont là, les couvertures chauffantes sont prêtes à être débranchées. Et derrière, on a toujours la chasse de Vandoorne qui, comme tout à l'heure, va attaquer la Mercedes et ça passe. Troisième place pour la McLaren qui, comme tout à l'heure sur Rosberg, a cette fois-ci surpris le pilote allemand au même endroit et va même chercher Raikkonen avec ses pneus usés. Oh, il n'y a pas assez d'adhérence, il y a trop d'eau sur cette partie extérieure et c'est au dernier moment que se ravise le pilote McLaren. Mais Raikkonen qui va devoir opter pour la voie des stands. Il perd beaucoup trop de temps, le Finlandais, c'est pas possible. Et voilà. Eh bien, il va perdre beaucoup dans cette affaire s'il n'y a plus de voiture de sécurité dans ce Grand Prix. Puisqu'il sera des rares hommes de tête à avoir ravitaillé sous régime de drapeau vert.
On sert Raikkonen, il faut que tout se passe bien, voilà. Mais où va-t-il ressortir désormais le Finlandais? Regardez, on va passer derrière les Manor, les Renault, les Sauber. Donc il va être quasiment dernier de ce Grand Prix. Hein. Raikkonen, maintenant, va-t-il pouvoir aller au bout avec ses deux stops? Ça semble difficile d'amener ses gommes intermédiaires à l'issue des 16 derniers tours. Quoique, ça n'est pas improbable. On a déjà vu des gestions un peu plus osées du côté de Raikkonen. Mais quand on est en lutte pour le titre, il faut oser pouvoir prendre ce genre de risque. Et Raikkonen qui ressort, voilà, juste devant Valtteri Bottas. Et derrière Kevin Magnussen. Pour l'instant, le pilote le plus rapide en piste, vous le voyez, c'est Stoffel Vandoorne, qui est proche peut-être d'aller chercher de nouveau le meilleur tour en course, qui est toujours en sa possession hein, depuis le premier relais de ce Grand Prix. Et il va surtout peut-être aller chercher une nouvelle victoire cette saison, parce que là, Vettel, elle n'a pas de vitesse de pointe, c'est le problème de ses moteurs. Et voilà, Vandoorne, 1.23.210. Et on l'informe d'ailleurs à la radio que c'est désormais lui le plus rapide. Les deux taureaux sont toujours à la chasse d'une des Force India. Celle de Sergio Perez. Les taureaux Rosso qui font une belle course pour le moment. Et Romain Grosjean hein, toujours présent dans les points. Et derrière on a Ricciardo qui attaque l'une des manors. Verstappen il est à l'arrêt depuis 10 tours. Donc non, c'est bien Daniel Ricciardo qui vient de passer l'une des manors, je pense, si j'ai bien aperçu le casque, celle de Pascal Wehrlein. La descente ici avec Pinerino. Un virage qu'adore Vandoorne pour aller chercher. Voilà, il va tenter peut-être de rééditer l'attaque qu'il avait menée tout à l'heure sur Nico Rosberg à deux reprises. C'est passé. Est-ce que Vettel va résister? On voit mal comment le bloc Ferrari va faire la différence parce que là, avec ses pneus neufs, Vandoorne est en train de nous faire un festival de tour chrono sur tour chrono. On se croirait en séance qualificative et la piste qui ne s'assèche plus forcément des gouttes qui retombent d'ailleurs sur les vitres de notre cabine viennent nous confirmer que je pense on ira jusqu'au bout sous ces pneus intermédiaires. On pensait un instant avoir des pneus slick. Vandoorne à l'extérieur, dans la ligne droite, devant les tribunes levées et ça passe. La tête du Grand Prix du Brésil pour le Belge. Désormais, après avoir fait un double arrêt pendant la safety car, il a des pneus qui sont 3 tours plus frais que ses petits camarades et ça fait le café. Attention quand même aux pertes de dérobades de la McLaren. Raikkonen derrière qui est complètement largué. On le voit, il est bloqué dans le trafic. Attention à l'autre McLaren également. Nico Rosberg qui est sous la menace d'Alonso qui touche de nouveau. Vous ne le voyez pas, mais Raikkonen qui perd énormément de temps. Et attention parce que si Hamilton reprend beaucoup de points, ce qui semble être le cas, pour l'instant il est 5ème, voilà. Et bien Hamilton pourrait prendre désormais un bel avantage et une belle sécurité avant Abu Dhabi pour le titre. On devrait vous proposer une petite estimation de ce qui se passera si ça ne bouge pas d'ici l'abaissement du drapeau à damier. Donc en tête, on a désormais Vandoorne devant Sébastien Vettel, Nico Rosberg et on a Alonso qui vient de passer Hamilton. C'est très très chaud, regardez-les. Les deux Mercedes qui prennent en sandwich Alonso. Et il ne va plus rester grand tour pour connaître le verdict de ce 20e et avant-dernier Grand Prix de la saison. On vous donne déjà bien évidemment rendez-vous à Abu Dhabi pour le grand final sous les étoiles et sous le feu d'artifice pour connaître le nom du champion du monde. Puisque là, eh bien, si Hamilton ne casse pas, Raikkonen ne sera pas champion du monde ici. Hamilton qui pourra ajouter un nouveau titre, un quatrième après 2008, 2014 et 2015. Il rejoindrait ainsi Alain Prost. Et ça a pas mal ralenti pour Vandoorne. Et ici aussi, on est au ralenti. On vous a laissé profiter un peu du son pour vous rendre compte de la difficulté parfois de tenir ces voitures dans ces conditions. Ce sont de véritables équilibristes, des acrobates véritablement. Aujourd'hui, à Interlagos. On est bientôt au bout de ce Grand Prix du Brésil, mais il y a encore des explications. On est ici en dehors des points avec Felipe Massa, le régional de l'étape, dont ça pourrait être l'un des derniers Grands Prix, puisque
on annonce peut-être la venue d'un nouveau pilote chez Williams. On en saura peut-être un peu plus du côté de Yas Marina, mais pour le moment, pas de contrat pour Massa l'année prochaine. On attend peut-être un peu trop tard pour savoir ce que fera l'an prochain le petit brésilien. Retour dans une section plus importante ici puisqu'on se bat pour des points avec Daniil Kvyat qui fait une bonne course. Les Toro Rosso qui ont été bien présentes en tête de peloton depuis le début du week-end. 24 tours. Couvert. Encore 11 boucles pour Stoffel Vandoorne avant la délivrance pour peut-être une nouvelle victoire cette saison. Ici Fernando Alonso en lutte pour rejoindre son coéquipier sur le podium du Grand Prix du Brésil à la chasse de Rosberg. Derrière Hamilton qui décroche. Et il décroche pour une bonne raison, c'est qu'il rentre au box. Arrêt au box pour Lewis Hamilton. Eh bien, ce sera le dernier à opter pour 3 arrêts. Ça va peut-être bien voilà, on bousculait certains dans les box. On sort chez Manor, on sort chez Haas, Williams, Toro Rosso, Force India. Chez quasiment tout le monde, il n'y a que chez Sauber qu'on n'a pas branché pour le moment. Allez, des nouveaux pneus pour Carlos Sainz. Ici, c'est Esteban Ocon, je crois. Oui. Nico Hülkenberg sort également. Et on attend l'arrivée des autres voitures. Voilà, chez Renault. C'est Magnussen qui reçoit un nouveau train de pneus intermédiaires. Et devant lui, je crois, c'est voilà, de nouveau Marcus Ericsson, comme tout à l'heure. Les deux pilotes à l'explication depuis le début de ce Grand Prix. Alors qu'en tête, eh bien, Vandoorne, lui, a encore logiquement un stop à effectuer, à confirmer, mais ça n'ira pas au bout. Hein. De toute façon, avec ces pneus-là, vous voyez que ça glisse beaucoup plus que tout à l'heure. Mais ça n'empêche pas le pilote belge d'être le plus véloce, avec 4 dixièmes de mieux dans ce secteur. 2 secondes d'avance sur Vettel et lui-même 2 secondes d'avance sur Rosberg. Derrière, c'est beaucoup plus compliqué entre Rosberg et Alonso, qui sont beaucoup plus proches. Alors regardez au niveau de l'état de l'usure des pneumatiques de la McLaren. On est dans une phase tout à fait correcte. Mais on va malgré tout opter pour un arrêt au box chez McLaren avec d'abord Fernando Alonso qui s'engouffre dans la voie des box. Raikkonen 13e. Petite catastrophe hein, pour Raikkonen. 13e place pour le Finlandais. Alors lui, il va peut-être aller au bout. Donc pour l'instant, c'est peut-être bonne pioche. Voilà, regardez, il va gagner déjà 3 positions. Et il fait son retour dans les points. Il est 10e. 9e même. Et ça commence à être usé hein, du côté du train arrière chez Vandoorne. À 10 tours de l'arrivée, Palmer au box. Il y avait Nasser qui ne l'avait pas suivi. Si, voilà, Nasser. On avait un doute. Et Esteban Ocon. C'était donc Pascal Wehrlein qui tout à l'heure avait opté pour la voie des stands. Et on a Valtteri Bottas, je crois, juste derrière. Voilà, la Manor du Français. Donc qui, l'année prochaine, sera dans la Force India aux côtés de Sergio Perez. Et voilà, on relance la mécanique pour les 10 dernières boucles. Vandoorne plus à l'attaque que jamais. On l'a vu sur le vibreur carrément. Complètement à la dérive dans ce troisième et dernier secteur. Et pour l'instant, eh bien, le leader de ce Grand Prix, c'est Daniel Ricciardo. Rendez-vous compte, Ricciardo qui était quant à lui parti 19e. Eh bien, il mène pour l'instant ce Grand Prix. Et il rentre. Va-t-il quand même pointer en tête? Oui, voilà. Il laisse la voie libre à Vettel et je pense à Nico Rosberg. Suivi derrière par Hamilton, Alonso et tous les autres. Voilà, ça s'est très bien passé. Beau pit stop de la part des hommes de Christian Horner et d'Adrian Newey. Alors, 27e tour de course, vous voyez que ça glisse plus que jamais. On n'aura pas de, je pense, de run sur piste sèche pour ce dimanche. Avec Carlos Sainz toujours en lutte. Avec son coéquipier devant lui et Sergio Perez. Derrière on a Massa qui doit tenter de contenir l'une des Manors. Et Manor qui fait une belle fin de saison également. La petite structure qui l'année prochaine devrait accueillir normalement
aux côtés de Pascal Wehrlein, un autre pilote, puisqu'on a la confirmation du départ d'Esteban Ocon. Oh, et voilà, justement, c'est très chaud avec Nasser, l'autre régional, et Ocon. Et bien voilà, ces deux-là ne se font pas de cadeaux. Ils viennent de passer par la case stand. Et tout cela permet devant, et bien, à la Renault de filer. Et retour en compagnie du leader qui n'a toujours pas opté pour un ravitaillement. 12 tours de l'arrivée, 28 tours couverts. Et Van Dorn qui commence à perdre du temps, donc c'est là qu'il doit ravitailler. Alors il a 20 secondes d'avance sur Vettel. Fermé, on t'attend aux secondes à la fin de ce tour. 20 secondes qui ne sont pas suffisantes pour ressortir en tête. Hein. Je pense qu'il faut 25 secondes pour un arrêt ici à Interlagos quand c'est réalisé en 2 secondes. À vérifier. Ici on est avec Hamilton, chassé, je vous le disais, par l'une des Ferrari, et devant lui, eh bien, c'est Alonso qui bouchonne toujours. On est toujours dans les points. Vous l'entendez, on n'est pas à fond sur l'accélérateur du côté des hommes de tête. Ça reste très délicat dans ces conditions, même si la visibilité s'est bien améliorée avec la trajectoire sèche. L'arrêt de Van Dorn, attention, c'est intéressant. Et dernier moment d'arrêt dans ce Grand Prix pour le pilote belge. On va tenir l'écart, il y avait 20 secondes, 400 devant Vettel. Vettel qui va sans doute reprendre la tête de ce Grand Prix. Et le pilote Ferrari. Oh, Van Dorn va-t-il ressortir devant? Où est Vettel? Et il est sur la gauche de l'écran. Van Dorn qui va être devant. Et à la régulière, la McLaren qui prend la tête du Grand Prix, c'est fait. Et voilà, Van Dorn qui ressort au nez à la barbe de Vettel. Et bien voilà, coup de théâtre dans ce Grand Prix. Vettel qui a perdu beaucoup de temps dans sa lutte. Et ici, c'est Hamilton qui va tenter de se débarrasser d'Alonso pour peut-être prendre une nouvelle place de différence avec Raikkonen. Et c'est passé. Hamilton qui passe devant Alonso. Quatrième place pour Lewis Hamilton, juste devant Alonso. Et derrière, Raikkonen qui revient comme un boulet de canon, avec des pneus un peu plus frais. Il est rentré tard, Raikkonen, mais a fait un arrêt de moins. Le voilà. Et regardez, en quelques encablures, la jonction est faite avec Alonso et avec Hamilton. Raikkonen qui est pour l'instant dans le deuxième secteur, l'homme le plus rapide sur la piste. Alors il n'est pas proche des records évidemment, mais il est le plus rapide de ce 11e avant-dernier tour de course. Et voilà, il va rester 10 boucles désormais au leader Van Dorn. Et Alonso qui va peut-être de nouveau aller rechercher Hamilton en bout de la ligne droite. Ça protège pour Lewis. Et Alonso qui plonge, on vit ça depuis la voiture de Raikkonen, ils sont côte à côte dans les S de Senna. Avantage à Hamilton, ça tourne à droite. Et voilà. Oh, Hamilton qui a failli perdre la voiture, et Raikkonen qui s'infiltre. Et c'est pas terminé, Raikkonen qui a l'aspiration, il déboîte, peut-être. Ces deux-là sont en lutte pour le titre, je vous le rappelle. C'est très important, cet écart de points. Et Raikkonen qui passe et qui touche Lewis Hamilton. Et voilà, Raikkonen qui est devant. Oh, Hamilton qui repasse, c'est pas fini. Oh, ils sont à deux de front d'Enferradura, c'est très chaud. Et là, une perte d'adhérence de l'une des deux voitures et les deux terminent dans l'herbe. C'est très très chaud. Raikkonen qui ne veut pas abdiquer à l'intérieur. Avec Hamilton maintenant. Et voilà, Hamilton qui réaccélère mieux évidemment à l'extérieur. Et Hamilton qui retrouve la position avantageuse avant le troisième secteur. C'est bien, maintenant un résistement plus que de raison. Ça pourrait être nuisible pour les deux. En tout cas, en tête, on ne se pose pas de questions. Van Dorn qui aligne les tours, il en reste désormais 6 au pilote belge pour remporter un nouveau Grand Prix dans cette saison 2016 de Formule 1, l'avant-dernier de la saison à Abu Dhabi. On sait que McLaren peut dire au revoir à ses espoirs de victoire avec les longues lignes droites ici, avec la pluie. Eh bien, il y avait un coup à jouer, il partait pas au plus haut sur la grille, mais finalement, avec la stratégie, eh bien, Van Dorn et son double arrêt lors de la safety car, eh bien,
Il fallait en faire deux, mais lui en fait trois. Et c'est pour l'instant bénéfique parce qu'il a des gommes beaucoup plus jeunes que ses rivaux. Un peu plus loin dans le peloton, les deux Toro Rosso qui s'expliquent avec Carlos Sainz qui va peut-être passer. Oh, c'est chaud, là aussi. Et Kvyat qui résiste. Et Sainz à l'intérieur, ils sont côte à côte comme tout à l'heure. On a vu Alonso et Hamilton. Et ça va passer, voilà. Sainz qui prend l'avantage. Oh, et derrière, Massa qui prend tout le monde de court. Manor également qui est là dans l'aventure. Oh, attention, le contact entre eux. Sainz, Massa, derrière c'est chaud aussi avec Kvyat qui tente de résister à, je crois, Pascal Wehrlein. Et regardez, ils sont à 5, mais il n'y a qu'une de ces 5 positions qui ramène des points. Et pour l'instant, eh bien, c'est Sainz qui a le point de la 10e place. Voilà la Manor qui tente de se placer devant la Toro Rosso. Et Gutiérrez qui va peut-être en profiter. Wehrlein qui va sans doute passer. Et on est dans les derniers tours, là, attention, parce que devant ça va peut-être aussi bouger. Avec Gutiérrez désormais qu'on n'a pas beaucoup vu dans ce Grand Prix, 14e. Et la Manor de Pascal Wehrlein qui est passée. De quoi peut-être asséner le coup de grâce à Sauber pour la fin de saison. Van Dorn qui continue d'attaquer, il reste 4 tours dans ce Grand Prix du Brésil. Et le Belge qui est plus que probablement en train d'aller remporter une nouvelle victoire. Ici, attention, ça glisse beaucoup dans la partie basse entre la descente du lac et Ferradura. Vettel deuxième, Rosberg troisième. Et pour la quatrième place, à vous de faire vos jeux. Hamilton ou Raikkonen, même si Alonso a pris désormais quelques dixièmes d'avance, c'est plus la cinquième place qui est en jeu entre les deux candidats au titre. Alors Raikkonen, si vous le voyez, il termine derrière Hamilton, eh bien perdrait que très peu de points. Seulement 2 points de perdu pour Raikkonen. Et donc tout se jouerait à Abu Dhabi. Quoi qu'il arrive, ça se jouera là-bas puisqu'ici ils sont trop bas dans le classement pour espérer ramener les 25 points. En tout cas, Raikkonen ne gagnera plus aujourd'hui. C'est indéniable, à moins qu'une safety car vienne chambouler tout ça, mais... quand bien même impossible pour lui de remporter ce Grand Prix. Et donc on vous donnera rendez-vous pour l'ultime manche, la 21e, aux Émirats Arabes Unis, pour décider du nom du champion du monde 2016. Ce sera soit Lewis Hamilton, soit Kimi Raikkonen ou Nico Rosberg. Il peut peut-être encore tenter sa chance. Allez, on retourne plus bas dans le classement. On est avec... l'une des Manors. Ça a été très bref, la caméra embarquée avec les Manors. Réalisation parfois un peu brouillonne hein, du côté d'Interlagos, le réalisateur local. Il nous a fait quelques blagues. On n'a pas eu trop droit au lobby brésilien. Hein. Massa et Nasser n'ont pas trop entretenu le temps d'antenne. Et ici Kimi Raikkonen face à Lewis Hamilton. Hamilton qui reprend des points à Raikkonen, hein. Ça se resserre, 2 points de repris, 3 points d'écart entre les deux. Est-ce qu'avec l'aspiration, la Ferrari peut combler son manque de vitesse de pointe? Peut-être pas lors de cette ligne droite-ci, mais pour peut-être à la sortie des S de Senna porter une attaque sur Hamilton. Et on voit Alonso au premier plan. Qui se laisse rattraper par ces deux voitures. On vous a dit que c'était pas joué complètement hein, pour les 4, 5 et 6e places. La preuve en image. Il y en a Raikkonen qui ne pourra pas. Oh, quoique, Hamilton qui s'est un peu loupé. Et Lewis Hamilton qui est allé un petit peu au large dans le gauche. De la descente du lac, ici à Ferradura. Raikkonen ne peut pas passer, mais la menace est réelle désormais, avec cette petite erreur du champion du monde en titre.
Et vous l'entendez en caméra embarquée, la délicatesse pour Raikkonen et Hamilton. On ne veut pas faire la bêtise qui coûterait trop cher. On veut mesurer chaque tentative. Allez, de nouveau la ligne droite des box. On est dans les ultimes kilomètres de ce Grand Prix. Avec Lewis Hamilton. Oh, l'attaque peut-être non. Raikkonen qui s'est montré. On est un peu plus loin avec les manors. Enfin, une des manors, en l'occurrence celle de, je crois, Pascal Wehrlein, qui est en train de faire une course sensationnelle derrière Felipe Massa et devant, je crois, Daniil Viat, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, c'est fait. Dernière relance. Victoire de Stoffel Vandoorne ici au Brésil. Le Belge qui s'impose devant. Absolument génial. C'est un super résultat. Bravo. La foule qui est debout. Nouvelle victoire pour le pilote belge. Saluons la prestation de McLaren qui signe une superbe victoire. Je suis curieux de savoir comment vous expliquez ce triomphe, mon cher Nicolas Martin. Il est essentiel de maintenir une bonne température des pneus lorsqu'il pleut. Quoi qu'il arrive, l'adhérence est réduite, mais c'est bien pire si vos pneumatiques sont froids. Maintenir la gomme dans la bonne plage de température leur a donc permis de prendre l'avantage. Les voici qui s'avancent vers le podium. L'écurie McLaren a fait une excellente course et je suis heureux de les voir sur la première marche du podium. Et à l'issue de ce 20e Grand Prix de la saison, voici les résultats. Victoire donc de Vandoorne devant Vettel, Rosberg et Alonso qui manquent le podium de peu. Trois arrêts quand même pour Stoffel Vandoorne et la victoire, c'est celui qui a le plus marqué d'arrêts dans cette course. Le classement avec, vous le voyez, 2 points simplement d'écart entre Raikkonen et Hamilton. Tout se jouera donc à Abu Dhabi. 24 points pour Rosberg, il peut donc toujours être champion du monde. On va vivre ça ensemble lors de la 21e et dernière course de la saison. Voilà, au classement constructeur, les jeux sont faits, vous le savez. On va donc refermer ce qu'il y avait à dire de ce Grand Prix du Brésil. Merci à toutes et à tous pour votre attention et votre fidélité. On se retrouve très vite pour vivre l'ultime Grand Prix de cette saison 2016 et on connaîtra le nom du champion du monde. Merci pour votre présence et votre fidélité. Bon amusement en piste et à la prochaine. Salut !